Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui encore sur FIFA 18 pour la Liga Santander avec le Real Madrid. Coucou Bobby, tu vas faire un petit coucou à la vidéo? Non. Et le prochain match c'est contre Deportivo Alavés à l'extérieur. Bonjour, bienvenue à vous qui avez choisi de suivre ce match avec nous, avec Carles qui est à mes côtés, bien sûr. Bonjour à tous, bonjour Hervé, content d'être là, j'espère qu'on va se régaler. On va suivre ensemble le Deportivo Alavés face au Real Madrid. Un match dans lequel nous allons suivre le Real Madrid. Cette équipe, on le sait, vise le titre et c'est bien parti pour elle. En ce début de saison, il faut tenir la distance. Milieu de terrain qui va découvrir enfin sa nouvelle équipe concrètement hein, sur la pelouse. On a beaucoup parlé de son transfert, maintenant il faut voir ce qu'il peut donner dans les faits. Le Real Madrid en bonne forme, que l'on retrouve juste après sa victoire à domicile face au Betis Séville. J'avais survolé ce match et s'était imposé sur le score de 5 à 1, ils sont dans une super dynamique. Et l'arbitre de ce match sera M. Valente Larrazabal. C'est parti, la Liga Santander. Voilà, j'adore la petite musique de la Liga. Comment les joueurs vont se positionner sur le terrain et puis dans quel état d'esprit ils vont attaquer ce match. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. Et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. Luke Shaw, oui, il va centrer là. Ronaldo. L'occasion pour aller devant. Ce sera un corner pour le Real. Il a cherché le point Sergio Ramos. Oh là 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 là, cette tête. Qu'est-ce que c'est mal exploité. Ouais, la trajectoire est mal jugée, le ballon est mal pris, ça lui échappe. Tout est foiré. Manu Garcia, Guignetti, attention, ça peut être dangereux. Dire à trop appuyé cette passe. Oh, l'occasion! Oh, oui, oh, début l'ouverture du score! L'ouverture du score déjà! Ah, ça n'aura pas traîné! Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Ah, de cette distance, hein, le gardien il peut rien faire. On a laissé trop d'espace au buteur sur cette action. Tiens, regardez, un duel en milieu pour apprécier ce but.
Vargas réagir. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Nainggolan. Thomas Meunier. Bale. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Isco. Allez, il peut faire un truc intéressant là, il y a du soutien. Isco. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Manu Garcia. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Manu Garcia. Ouais, bonne transmission. Nainggolan. Lui Gareth Bale, le ballon. Ballon aérien pour ça passe, trouver Gareth Bale. Reviens sur ses pas, ça passe. Mais Ronaldo, lui Icardi n'a pas su mettre au pied. Comme si. Il s'est fait complètement avoir. Chop. Dire. Mais Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Qui dégage son camp des deux points sur ce centre. Torres. Mauro Icardi. Isco. Ça n'atteint pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment, ça reste très bas. Icardi passe. Mauro Icardi, le gardien qui repousse, ça peut revenir. Ah, il dégage en touche sans se poser la moindre question. Ronaldo, Show. Show. Nainggolan. Nainggolan. Hamzik. Marek Hamzik. Oh là là. Ouais, bien Hamzik pris, a toujours la pas mis défense. Son pass là. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. La touche. Rodrigo Eli. Manu Garcia. Le long de la ligne de touche. Ah, le tacle, ça sort en touche. La touche, ça va vite. C'est le moins qu'on puisse dire. La passe est interceptée. Les Marocains qui n'ont toujours pas marqué. Ronaldo, pas oh magnifique. Plus 0-0. Dommage qu'il n'a pas fait la passe. Guidetti. Daniel Torres. Allez, peut-être une bonne occasion. Marek Hamzik. Isco. Isco. Voilà ce qu'il a sur le maillot. Ça va plus vite à dire que son nom complet. Hein. C'est plus pratique. Ah oui, c'est sûr que Francisco Roman Marcelo Suarez, ça ne tient pas son maillot. Hein. Manu Garcia. Chop. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Nainggolan. Le redoublement de passe pour créer de l'espace. Mauro Icardi qui a senti que c'était à lui d'aller chercher ses ballons. Nainggolan. Oh là là, le gardien qui est loin de le danger, mais ça joue. Bien, allez, il peut y aller seul, Gareth Bale, mais il a également du soutien autour de lui. Ouais, la frappe lointaine. Oh, c'est passé tout près hein, sur cette action. Oui, il peut le dire qu'il en a gâché une bonne. Hein. Par le défenseur. Est-ce ce ballon qui traîne?
Bale. Torres. Le dégagement pour éloigner le danger. Cristiano Ronaldo qui poursuit son action. Thomas Meunier. Sergio Ramos. Oh, l'égalisation. L'égalisation, Pierre. Ah ouais, les joueurs ont su créer le danger et profiter d'un petit peu de suffisance peut-être dans le camp d'en face. On voit ce but au ralenti. Un capitaine qui a pris ses responsabilités. Beau centre de Thomas Meunier, Ramos au premier poteau. Vraiment trop bien. Sous un autre angle. Son deuxième but en Liga Santander cette année. Et voilà donc à égalité un but partout. Chop. Alexis Renault. Les 30 derniers mètres. Allez, un partout, on va en rester là à la pause. Mais il reste 45 minutes pour faire la différence. Pierre, revenons ensemble sur la prestation de ce joueur dans les 45 premières minutes. Bon, il n'a pas marqué, mais au moins il a fait une passe décisive. J'ai envie de savoir s'il est capable d'élever encore un peu plus son niveau de jeu. Oui, il va centrer là. L'occasion pour prendre les devants. C'est reparti, le ballon pour les joueurs du Real Madrid. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ramos. Ronaldo. Plongé. Le ballon qui sort avec un corner à venir donc. Vous voyez les statistiques du Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Très en deçà de ce qu'il propose d'habitude. Ah, mais qu'est-ce qu'il nous fait lui là? Par moment on a l'impression qu'il se désintéresse du match. On a l'impression qu'il ne sait pas quoi faire du ballon. Il y a beaucoup à redire sur son placement aussi. Ouais. Topi à revoir entièrement. Allez, un petit but. Le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Kovacic. Ah non, ballon perdu. À l'attention à l'éventuelle contre-attaque. Julian Brandt. Ah, aucun. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Oui, attention. Icardi. Oh, la pression était forte. Ah ben, au moins, ça débarrasse, ça donne de l'air. La branche. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Il porte le ballon. Il va falloir l'enrayer. Hein, cette contre... Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Il va pouvoir relancer son équipe. Magui. Voilà. Van Dorté. On va laisser jouer. Avantage. Ouais, c'est bien arbitré. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Le danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. À quelques centimètres près. C'eût été un corner. L'entraîneur qui va faire un changement. Daniel Torres. Medran. Ouais, bien présent le gardien sur cette action, mais ce n'est pas fini. Et c'est un corner, dit l'arbitre. Le corner, le ballon en pleine surface. Thank you.
de Dave Brandt. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Sergio Ramos. Ah oui, la bonne Allez, passe. Cardi pour tuer le match. Et il la met dans le fond, dans le but. Voilà le but. Ça fait son troisième but. Et c'est vraiment pour le Real cette saison. Parce que depuis le coup d'envoi, elle s'est créée plein d'occasions nettes. Un but, c'est assez logique, hein, Pierre. Sur le papier, cette équipe était déjà la plus forte. Après le match par le bon but, forcément, ça paye. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. Il y a le sourire, l'entraîneur du Real Madrid, on le comprend. Son équipe mène au tableau d'affichage. Mauro Icardi. C'est bon, je préfère rentrer Martins à la place de Bale. Un changement normal après tout, ce n'est pas à eux de faire le jeu maintenant. Le Real Madrid qui prend donc les devants. Un petit adieu. Et c'est l'ancien du Sporting Portugal qui nous. Ah, la bonne inspiration sur cette passe. Ils sont là, ils ont pris de vitesse. Donc, là. Pour écarter le danger. Rodrigo Eli. Non, non, ça ne passe pas. Allez, oui, peut-être l'égalisation. Non. Le but de l'égalisation pour cette équipe. Elle a su réagir. C'était pas évident de courir après le score comme ça, mais elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire. Ah, quelle est belle cette égalisation. Deportivo Alaves. Surtout, hein. Oui, elle est importante parce qu'elle vient couronner tous les efforts consentis pendant tout le match. Ah, allez, j'ai envie de dire que c'est mérité. John Guetti. Et c'est encore un retour au score, une nouvelle égalité. Johnson Martins. Real Madrid qui s'approche du but. S'approche, il rentre dans l'axe. Et oui, il est passé. Et c'est le but de Mauro Icardi. Très beau travail de Johnson Martins. Voilà, c'est parfait ça pour cette équipe. Ça va la mettre en confiance. Mais maintenant, attention, il y a un résultat à préserver. Et ça fait deux buts, superbe doublé pour lui. Pourquoi elle tire par la fenêtre? On voit ce but sous un autre angle. Pourquoi elle tire par la fenêtre? C'est pas une fenêtre, c'est. Il y a le sourire, l'entraîneur du Real Madrid, on le comprend. Son équipe mène au tableau d'affichage. Ah, maison. Le Real Madrid qui a pris l'avantage au tableau d'affichage. Torres. Alors que nous entrons maintenant. Bon, j'espère que cette fois-ci c'était la bonne partie. Ah, le ballon est perdu. Martins, une de ses vitesses et une agilité. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Elle met le score, ils font tourner le ballon et ça n'a pas l'air de déranger l'adversaire outre mesure. Il peut y avoir danger sur cette. Elle la voilà la frappe. La frappe de Sergio. Oh oui, bien joué, le gardien à la parade. Je crois que j'ai dormi vraiment sur le cul. Alors peut-être un petit peu plus de bordant sur le front de la table. Jusque dans la vie. L'objectif, c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. Elle a bien frappé ce corps. Mauro Icardi. Et ça sort. Tu sors des croquettes. T'as mangé des croquettes. Il n'a pas eu envie
de frapper ce corner devant le but. Le ballon, là. À la touche suite à cette déviation. Raphaël Varane. Sadio Ramos. Luke Shaw. Sadio Ramos. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est le phénomène absolu. Hein. Si Grégory peut parfois agacer, il arrive de se compliquer la vie, mais bon, c'est un régal de le voir jouer quand même. Quelle vitesse, quelle puissance, quelle efficacité. 9 minutes maintenant. Pour que je gagne, si possible. Le stade qui s'enflamme pour encourager son équipe. Rien n'est perdu, Pierre. Ça, je crois que les supporters ont bien compris que c'était maintenant ou jamais. Et Ramos qui dégage le Icardi qui essaie de mettre d'un but, mais il faut toujours continuer à attaquer. Attention, ça peut être dangereux. On se fait stopper. L'arbitre donne la touche au Meringue. Matteo Kovacic. Il faut pas craquer dans ces 5 dernières minutes. Il n'y a qu'un but d'écart. Magnifique dream. Kovacic. Matteo Kovacic. Il passe. Il donne à Ronaldo. Ronaldo. Kovacic. Et c'est le but. Je voulais faire marquer Brandt, mais bon. Là, ça a été des foot en salle. Il a montré à son entraîneur qu'il pouvait vraiment compter sur lui. Tirade pourtant sur lequel le gardien ne peut évidemment rien faire. De Gade l'a fait replier. Ce Martins comme joker, quand il gardait là, je voulais mettre en retrait. Pas grave, Kovacic, c'est bien aussi. Un duel en milieu pour apprécier ce but. C'est son troisième but, Matteo Kovacic. Avance de 2 buts au tableau d'affichage. Luke Shaw. Raphaël Varane. Ouais, il est passé, bien joué. Il a du ballon, le bonhomme. Varane. Afra, contrée, attention. Corner. Corner pour le Real Madrid. Corner adressé au niveau du point de pénalty. Kovacic. Et là, on va trouver le point. Je vais pas donner un ballon. Ouais, c'est bien taclé. Ah ouais, c'est bien fait ça. Ah non, c'est trop fort. Bien Martin, trop fort. Il revient à toute vitesse. Le tir n'est pas cadré. Plus 4 minutes de temps additionnel. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Alessandro Schopf. Oh, ça passe pas loin, juste au-dessus de la barre. Ouais, il a voulu la déposer, mais le gardien peut souffler parce qu'il s'en sort bien. Je crois que l'arbitre va essayer de la faire. Voilà, victoire de 4, victoire difficile. Peut-être exagérée dans les chiffres pour Deportivo Alavés. Qui ont une bonne équipe, de bons joueurs, mais c'est pas leur manquer un petit chose. Petit Cristiano Ronaldo aujourd'hui, grand Gelson Martins, grand Icardi, grand Kovacic. Très bon match pour lui avec un doublé en plus. Voilà, on va se laisser là-dessus et on se retrouve pour le prochain match. Et comme Paulo Dybala, le masque. Allez, ciao ciao au prochain match.